Michael Butt. Butt Michael. And the sword. John King, Gautier May. Habakkuk Prickett. Homme Widow, mathématicien. Quel est ton nom? John Thomas, à votre service. Michael Purse. Nicholas Sims, Moose. Adrian Mortar. Ne touche pas ça. Bennett Matthews, maître Coq. Bennett Matthews. Monsieur Henry Green. Philippe Staff, charpentier. Oui, monsieur Staff. Qu'est-ce que vous avez à critiquer le capitaine Hudson, monsieur Jouett? J'ai déjà navigué avec lui. Attendez qu'il sente le parfum des épices des Indes. Et vous verrez qu'il sacrifiera notre peau à ses ambitions. Il m'a l'air d'un homme juste. Vous verrez, monsieur Bylett. Vous verrez. Eh bien, John, crois-tu que nous allons trouver les Indes cette fois? Mais père, c'est ce que vous avez dit. Ah, quelle confiance. Mais le crois-tu à ma façon? De quelle façon? De toutes mes forces et du plus profond de mon cœur. Je vois les navires, les flottes qui se rendent sans encombre jusqu'aux ports du Cathay. La longue suite de navires de commerce anglais, leurs proues alourdies par une cargaison de soie et d'épices de toutes sortes. Et dans leurs voiles, la fierté du pays, allant par les mers et sillonnant en tous sens ces océans sur lesquels notre nom va passer à l'histoire. Nous partons à la prochaine marée! À vos postes! Cet été-là, le navire marchand Discovery s'aventura parmi les banquises de la baie de Lungava en quête du passage du Nord-Ouest. Henry Hudson avait résolu de découvrir cette légendaire voie de l'Orient par le Nord, et il n'allait pas se laisser fléchir par une mer inhospitalière, non plus que par des hommes aux vues moins élevées. Tirez la grande misère ! Maintenez ce cap, monsieur Jewett. Oui, maître. Gouvernez droit, monsieur Bylett. Oui, monsieur Jewett. Le ciel soit loué, vous êtes là, maître. J'étais en prière et ce n'est que tout à l'heure que j'ai appris le danger que vous couriez. Calmez-vous, monsieur Prickett. De quoi parlez-vous? Oh, que Dieu soit loué. Je craignais que... Vous craignez quoi? Il court des rumeurs. Les marins n'ont pas mieux à faire en mer. Pire, ce sont des menaces. Des menaces, dites-vous? Comment ne l'ai-je pas su plus tôt? Mon intention était de vous épargner les racontars des hommes. C'est trop de sollicitude, monsieur Prickett. Puis à leurs yeux, j'ai déjà le tort d'être le représentant de la compagnie. Et nous y perdrions tous si l'on me considérait comme un de vos espions. Je vois que vous êtes très prudent, monsieur Prickett. Oh, vous méprenez, maître Hudson. Soyez assuré que vous pouvez compter sur Habakkuk Prickett. J'en prends le seigneur à témoin. Dieu nous préserve, le navire est en perdition. Non, monsieur Prickett, c'est seulement le roulis du navire. Dieu nous préserve. Oh. Oh. Oui, M. Bylett. Eh bien, Henri, nous avançons. Oui, il a l'air préoccupé. Il souffre de quelques rumeurs. Des rumeurs? M. Prickett croit qu'une révolte est imminente. Et vous le prenez à la légère? Vous feriez de même si vous aviez entendu autant de récriminations que moi au cours de ma vie en mer. Mais si moi j'étais maître, un coquin se balancerait déjà à la grande misaine. Voilà qui calmerait les esprits. Oh, mais vous êtes sanguinaire. Avec vous, il ne resterait plus personne pour manœuvrer le navire. Si vous croyez que le langage de la raison va mettre fin à l'agitation, vous vous leurrez, capitaine. Allons, mon jeune ami, ne vous fâchez pas. Votre estime est plus précieuse que celle de tout autre homme à bord. Et vous l'avez toute. C'est grâce à votre générosité si j'ai été pris à bord quand ma fortune en Angleterre périclitait. Générosité. Je n'ai pensé qu'à moi seul.
car j'avais besoin de quelqu'un qui fût de ma condition et qualité. Nous allons vers le danger et les embûches, Henri. Il me faut un ami. Un ami fidèle. Alors vous verrez que je suis aussi riche en loyauté que pauvre de bourse. À tribord. À tribord, monsieur Bylett. Oui, monsieur Drouet. Patience, monsieur Drouet, c'est imprudent. J'ai assez patienté. Nous ne rebrousserons chemin que lorsque quelqu'un d'autre dirigera le navire. Vous vous méprenez sur l'équipage si vous croyez qu'il va se mutiner. Et vous vous méprenez sur moi si vous croyez que je vais laisser le maître nous conduire gentiment jusqu'en enfer. Silence. Il s'en vient. Alors, monsieur Jewett, est-ce que nous progressons? Si nous courons à la catastrophe, je crois qu'en effet, nous progressons. Qu'est-ce que vous dites, monsieur Jewett? D'après ce que vous disiez, maître, nous devrions être au Cathay maintenant. Et c'est plutôt froid pour la mer des Indes. Vous vous moquez de moi, monsieur Jewett. Vous vous moquez de nous, maître, avec vos rêves insensés de découverte. Monsieur Jewett, vous allez trop loin. Et vous ne serez pas content tant que nous ne serons pas tout à fait exterminés. C'est vrai, maître. Silence! Vous êtes un scélérat et un schnappan. Je ne dis pas autre chose que ce que tout le monde se répète ici. Vous n'avez pas cessé de faire tort à ma cause ici et ce depuis votre arrivée. Je ne saurais plus longtemps tolérer cette traîtrise. Vous allez comparaître devant le tribunal avant la fin du jour. Si le procès se passe ouvertement devant tout l'équipage du navire, j'en serai bien aise. Nous verrons alors ce qu'il en est de leur loyauté au juste. Monsieur Staff. Eh bien, maître, on m'a répété que peut-être qu'il serait sage d'avoir un mousquet dans nos cabines, qu'on aurait peut-être à s'en servir. Je l'ai entendu jurer plusieurs fois qu'il ferait faire demi-tour au navire s'il le pouvait. Je sais que ce jour-là, il a ri du maître et s'est moqué de ses connaissances en navigation. Et M. Jewett alors m'a dit qu'il croyait qu'avant la fin du voyage, il y aurait des meurtres et que périraient certains hommes. Vous avez entendu les témoignages déposés devant vous aujourd'hui. Le temps est venu de punir et de détruire tout projet de mutinerie. Une si basse entreprise ne peut être que contre l'intérêt de tout l'équipage. Monsieur Robert Bylett sera maintenant second maître. Monsieur Jewett perd tout salaire et privilège attaché à son rang. Monsieur Clemens cède son rang de quartier maître à William Wilson et perd lui aussi tout salaire. J'aurais voulu ne pas être contraint à cette nécessité. J'ajouterai que si vous vous comportez honnêtement envers moi au cours du voyage, j'oublierai l'incident et m'occuperai de vos intérêts futurs. Le mécontentement de l'équipage se dissipa temporairement lorsque le navire atteignit l'île Digges. Ce serait un endroit excellent pour hiverner. Le gibier ne demande qu'à remplir le garde-manger. Si vous m'en donnez la permission, je vais construire une maison solide et de belles dimensions. Il est trop tôt pour hiverner. Maître, faites attention quand vous parlerez d'hiverner qu'il ne soit pas trop tard. Monsieur! Je me rappelle assez vos services passés pour oublier une aussi grande insolence. Mais ne mettez pas ma patience à l'épreuve. Oui, maître. Nous hivernerons, n'ayez crainte. Mais tant que l'eau de la mer ne sera pas gelée, nous voguerons. Monsieur Simms!
monsieur. Voilà, allez porter ce gibier à Bennett Matthews pour le garde-manger. Et ceci aussi. Oui, monsieur. Ah, le seigneur est bien généreux. Eh, grâce à l'aide d'un bon tireur. Vous feriez mieux de vous en remettre à Dieu, jeune homme. Je me fie plus à une main sûre et à un bon œil. N'auriez pas de la religion? Pour ce qui est de la religion, j'avoue que je n'y connais absolument rien et que j'ai tout à apprendre. Monsieur Green, Monsieur Prickett, il n'y aura plus de chasse. Nous partons dès que le dernier chasseur sera monté à bord. Mais capitaine, nous ne retrouverons jamais un endroit si plein d'oiseaux de toutes sortes. Dommage, mais nous avons déjà trop tardé. Oh, pitié, maître. Vous ne savez que trop combien notre garde-manger est dégarni encore. Nous allons faire voile, le temps s'y prête. Préparez-vous à lever l'ancre. Oui, maître. Où est-ce qu'il nous emmène? Combien de temps allons-nous languir dans cette baie? Y a rien à comprendre là-dedans. On monte au nord jusqu'à ce qu'on trouve une terre, on descend au sud, on remonte au nord et on redescend au sud encore. C'est vrai, ça. On dirait qu'on vogue en rond. Je commence à croire que le maître a perdu tout à fait la raison. Ah, ce porc est pourri. Alors, prends-en donc du frais. On aurait de la viande fraîche en abondance si le maître nous avait laissé chasser sur l'île d'Aegis. Le maître n'a aucun besoin de se nourrir, il vit d'ambition. John Williams. Et comment c'est arrivé, ça? Il s'est gelé les doigts et il a lâché prise. Le médecin, où est-il? On est allé le chercher. C'est l'aide de Dieu qu'il lui faut. Que s'est-il passé? Attendant la résurrection et la vie éternelle, par l'intercession de notre Seigneur Jésus-Christ, qui va changer notre corps corruptible pour le rendre semblable à son corps glorieux, suivant ce grand... Ce sont de belles paroles. Pauvre Williams, ça changera pas son sort. Que Dieu ait pitié de son âme. Et de tous ceux qui sont en mer. Amen. J'ai le coffre de John William ici, maître. Allez-vous vendre ses effets? Oui, excepté sa veste que je donne à Monsieur Green. Oh, c'est injuste, maître. Pardonnez-moi, maître, mais c'est la coutume de vendre ces choses. Je connais la coutume, Monsieur Bylett. Mais M. Green n'a rien pour se protéger contre le froid, et c'est à lui que je la donne. Pourquoi lui? M. Bylett, ma veste, je vous prie. Je ne sais trop. Je ne sais trop. Je voudrais continuer. Monsieur Bylett, je voudrais continuer. Mais nous sommes pris dans les glaces, maître. Nous serons en eau libre que le printemps prochain. Oui, vous avez raison, monsieur Bylett. Envoyez Philip Staff construire nos quartiers d'hiver. Oui, maître. Monsieur Prickett. Oui, maître. Rassemblez quelques-uns de nos meilleurs chasseurs. Et envoyez-les chasser et pêcher. Nous hivernons ici. Ici, maître? Et dites-leur qu'il y aura un prix en argent pour chaque bête qu'ils réussiront à tuer. Et si je ne m'abuse, vous ne dépenserez pas beaucoup d'argent? Nous aurions mieux fait de nous installer à l'île d'Edges. On fera ce qu'on pourra, monsieur Prickett. Oui, maître. Maître Hudson? Oui. Philip Staff refuse de construire les quartiers d'hiver. Quelle impertinence est cela? Il ne veut pas le faire, maître. Qu'est-ce que j'apprends là? Maître,
Le mois dernier, j'aurais bâti un abri, mais cette fois-là, vous avez refusé. Aujourd'hui, je refuse de faire ce travail. Les clous m'arracheraient toute la peau des lèvres. Vous devez bâtir quand je vous le dis, c'est votre travail. Je connais mon travail encore mieux que vous, maître. Je sais de quoi je parle. Votre maison, vous la bâtirez tout seul. Un solo ! Je vous ferai pendre. Peut-être bien, oui. Mais je ne ferai pas ce que vous dites. Je vous y forcerai bien. Avez-vous entendu ? Il refuse de l'écouter. Que va-t-il arriver ? Je crois qu'on va tuer encore plus de gibier ici qu'à l'île d'Edges. Pas si c'est vous qui chassez, monsieur Staff. Ah, voilà. Non, je n'ai pas autant de chance que vous. Vous appelez ça de la chance ? Oups. Voyez-moi ça. Si vous aviez bon œil, monsieur Staff, vous en auriez autant que moi. Oh, deux couples. Vous auriez eu plus de succès avec votre marteau, je parie. Monsieur Green. Oui, capitaine. Je désire vous parler, monsieur. Savez-vous que Philippe Staff n'a plus ma faveur? J'en ai entendu parler. Et vous vous tenez en sa compagnie. Nous sommes allés chasser, c'est tout. Vous vous tournez contre moi, monsieur Green. Je suis loyal, monsieur. Vous avez tort de douter de moi. On juge la loyauté à ses actes, monsieur Green. La mienne atteint ses limites. Votre veste, monsieur Green. Ma veste? Je me refuse à réconforter les amis de mes ennemis. Très bien, maître Hudson. Si vous voulez un ami à qui la donner, vous aurez grand mal à en trouver un sur ce navire. En proie à la discorde et mal préparé à supporter les rigueurs du climat nordique, l'équipage du Discovery entreprit de passer l'hiver dans la baie James. Bientôt, la nourriture se fit rare et la chasse ne rapportait que déception. Les petites mesquineries et la rancœur s'effacèrent devant la misère commune. Une chose l'emportait sur tout le reste, assouvir sa faim. Ces hommes affamés et malades qui attendaient le printemps de la baie James ne ressemblaient guère aux solides marins anglais parti du port de Londres un an plus tôt. Voilà votre part, monsieur Matthews. Je sais que c'est peu. Mais maître, il est gâté, ce fromage. C'est mieux que rien, monsieur Matthews. Ils sont de qualité inégale. C'est pourquoi je divise les différentes sortes. Afin que chacun en ait du bon et du mauvais. Et ainsi, nul ne sera plus avantagé que les autres. Oui, maître. Vous croyez que le maître divise justement la nourriture? Ça, je l'ignore. Mais je changerai bien de portion avec la sienne. C'est vrai, monsieur Green? Oui, c'est sûr. Il faut que nous en parlions. C'est urgent. Oui. C'est pas étonnant qu'il supporte ainsi la faim. Le garde-manger est à sa portée. Il s'y sert comme il veut, ainsi que ses favoris. On n'a qu'à regarder M. Prickett et le médecin aussi. Et puis le fils de Hudson, ils sont gras comme des voleurs. Allez me raconter qu'ils sont aussi fins que nous. Track m'a dit qu'il avait reçu du maître de la viande. Viande? Pour que quelques hommes soient bien portants. C'est ce que maître Hudson a dit en toutes lettres. Qu'est-ce que vous faites ici, M. Green? C'est pas l'endroit pour ceux qui sont avec maître Hudson. Ça va.
Monsieur Green est avec nous. Il s'est prononcé en notre faveur. C'est un revirement inattendu. Il y a longtemps que le maître m'a retiré sa faveur. Et je lui en veux tout autant que vous. Ben, si c'est vraiment ça, alors vous êtes au bon endroit. Nous sommes en train de mourir de faim. Et le scorbut nous ronge les gencives. Mais le maître ne pense encore qu'à découvrir le passage vers les Indes. Qu'en dites-vous, Monsieur Green? Je dis qu'il faut y mettre fin tout de suite. Sinon, nous mourrons tous. Se mutiner? S'il faut mourir de faim ici ou être exécuté ailleurs, alors j'aime mieux finir sur l'échafaud. Entrez. Messieurs? Monsieur Prickett, nous allons mettre fin à ce voyage insensé. Hein? Que dites-vous? Il n'y a de la nourriture que pour 15 jours, et malgré ça, le maître parle encore de trouver le passage. À une heure déjà fixée, ses partisans et lui seront pris et placés dans une chaloupe. Et abandonnés à eux-mêmes. Mais, voyons, soyez sérieux. Nous sommes décidés à le faire, Monsieur Prickett. Avec qui êtes-vous? Mais... avec Dieu, comme toujours. C'est d'une alliance plus temporelle que je parle. Pour l'amour de vos femmes et de vos enfants, ne commettez pas cette infamie que Dieu et les hommes réprouvent. Cet appel me toucherait si je n'étais célibataire. N'ayez crainte. Vous serez en sécurité à bord de ce navire. Enfin, je ne suis pas venu à bord encourager une mutinerie. Peut-être qu'il aimerait mieux tenter sa chance dans la chaloupe après tout. Seigneur, aidez-moi. Seigneur, aidez-moi. Trêve de plainte. Avec qui êtes-vous? Écoutez, ne faites rien encore. Et je vais tenter de persuader le maître d'être plus juste dans la distribution de nourriture et de retourner en Angleterre sans perdre un instant. C'est inutile, rien ne saurait nous arrêter. Et je trancherai la gorge de ceux qui nous gênent. Que Dieu vous pardonne. Ah, que je suis las de vos prières. Attendez. Vous disiez qu'il plaiderait notre cause auprès de Sir Dudley Digges. Oui. Écoutez, pourquoi cette chicane? Nous avons tous deux à cœur l'intérêt de la compagnie. Je crains que vous ne soyez poussé par d'autres desseins. Je jure sur ce livre que je ne cherche pas une revanche dans le sang. Je ne ferai aucun mal inutile aux hommes, et ce que je le fais dans l'intérêt du navire, et que Dieu me soit en aide. Est-ce que les autres vont jurer aussi? Oui, nous le ferons. Que sa volonté soit faite. Qu'est-ce que c'est? Vite, maître! Le navire est en flammes! Qu'est-ce que vous faites, traître? Vous le verrez bien quand vous serez dans la chaloupe! La chaloupe? Je vous ferai pendre pour ça, traître! Allons, aidez-moi à arrêter ces hommes! Rends-toi de là, Monsieur toi. Green! Monsieur Green! Hey. Le maître. Non, pas moi. Prenez mes clés, ma nourriture. Je veux pas mourir. Je veux pas. Oui, c'est ça, ça nous apprendra. Allez, bon débarras. J'ai décidé d'y aller moi aussi. Tu choisis d'aller à ta mort. Donnez-moi mon coffre et le diable vous emporte. Sachez que j'aime mieux me confier à la grâce de Dieu et descendre avec le maître dans cette chaloupe que de rester à bord avec des canailles telles que vous. Très bien. Apportez le coffre et de quoi manger 2 jours.
Alors, capitaine Hudson, maintenant vous avez un navire qui convient à vos grandes qualités de marin. Monsieur Green, il est encore temps de changer d'avis. On est à la veille de faire une grande découverte. Cette grande baie doit certainement s'ouvrir et nous donner le passage. Continuons vers l'ouest et effaçons nos divergences dans l'illustre gloire de la découverte des Indes. Vous vous libérez de nous, maître Hudson. Vous pouvez aller vers l'ouest tant que vous voudrez. Alors, écoutez-moi tous. Ce voyage a été dirigé selon les ordres de ma commission ainsi que de ma conscience. Je n'ai aucune raison de regretter mes actes et je ne vais pas vous supplier de me libérer. C'est l'histoire qui va juger mes actes ainsi qu'elle jugera les vôtres. Vous avez perdu l'esprit. On ne revit plus jamais un seul des occupants de la chaloupe. La découverte de la baie d'Hudson donnait accès à l'Angleterre à une région riche en fourrures et lui permettait en même temps de nourrir des prétentions sur le vaste intérieur de l'Ouest canadien au moment où Champlain venait de fonder Québec. Qu'est-ce que vous attendez? Prenez vos postes! En route vers l'Angleterre! Oui. Après un voyage difficile, au cours duquel il y eut plusieurs pertes de vie, dont celle de Henry Green, les mutins atteignirent l'Angleterre et subirent un procès. Aucun ne fut condamné pour mutinerie. Le dernier voyage de Henry Hudson, bien qu'il se termina dans la faillite et la tragédie, n'en jeta pas moins les bases de la future colonisation anglaise de l'Ouest canadien.